Bonjour, c'est Anselme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un ne choisissez pas le mauvais escalier sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir devant moi, nous avons trois escaliers géants. Donc, ces escaliers vont nous mener à trois bases différentes, donc des bases de personnages de dessin animé que vous adorez tous. Et aujourd'hui, les amis, du coup, pour cette vidéo, nous allons avoir la base de Ladybug. Nous allons aussi avoir la base de Roblox et la base de David Cosita. C'est un personnage que ça avait fait très longtemps qu'on n'avait pas vu. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas aller le revoir un petit peu. Donc, les amis, justement, on commence la vidéo, les amis. Je compte sur vous pour que vous vous abonniez tous à la chaîne, que vous mettiez aussi tous un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Je crois que le personnage de Roblox commence déjà à être un petit peu agité. Donc vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le personnage de Roblox. Donc n'hésitez pas à tous liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir d'autres vidéos ne choisissez pas, parce que sur ma chaîne en ce moment je vais faire beaucoup de ne choisissez pas, parce que j'ai vu que vous adorez ça. Donc les amis, c'est parti, première vidéo, enfin plutôt premier escalier, du coup c'est la base de Roblox. Donc on va fermer juste là. Voilà, il y a Roblox qui est là. Bon, on va aller le voir un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est parti les amis, let's go. OK. Bon, qu'est-ce qui nous attend avec Roblox? Je sais pas du tout. Dans les amis, je compte sur vous pour que vous mettiez tous les commentaires pour vous quel va être votre personnage préféré. Si vous préférez Dametu Costa, vous mettez Team Dametu Costa, vous mettez Team Roblox ou alors même Team Ladybug si vous pensez que c'est Ladybug votre personnage préféré. Let's go. Donc du coup c'est parti, tac, on rentre dans la base à Roblox et on va aller voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oh, coucou Roblox. Salut Roblox, comment tu vas? Ça va. Ça va et toi? Oui, tiens, oh, attends, tu fais quoi? Waouh, wow, dis donc, mais ça en fait beaucoup des paquets de lait ça. Tu faisais quoi avec tout ce lait? Ben, je viens juste de le créer. Ah, tu viens de le créer? Attends, mais tu viens de le créer en faisant quoi? En faisant comme ça. Ah, oh, ok. Wow, ah ouais, dis donc, t'es vraiment fort. Donc, t'es en train de me dire que toi, tu viens de créer du lait en faisant... C'est ça? Oui. Wow, mais mec, mais t'es trop fort. Bon, bref, du coup, Roblox, aujourd'hui, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un truc en particulier? Dis-moi, en quoi est-ce que je vais pouvoir t'aider aujourd'hui, Roblox? Ouais, bah en fait, j'aime pas ma base secrète. Ah bon, t'aimes pas ta base secrète? Mais non, pour toi, elle est plutôt jolie avec les rails et des trucs comme ça qui se baladent. Regarde, tu sais, quand on monte, c'est trop bien, mais après, quand on descend, j'ai trop peur. Ah, t'as peur de la descente? Ah, t'aimes pas trop les trucs à sensation, en fait, c'est ça? Ouais. Ah, mais je savais pas, moi, je pensais que t'aimais bien la sensation. Bon, non, et bah du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre à te proposer? Qu'est-ce que je peux te construire à la place, justement? Bah je sais pas, tu fais autre chose, mais j'aime pas les trucs qui fait peur. Donc t'aimes pas les trucs qui fait peur, tu veux un truc plutôt qui fait pas trop peur toi? Oui. Ok, bon bah du coup les amis c'est parti, on va directement casser tout ce qui est des trucs qui pourraient ressembler à des rails. Des rails parce qu'apparemment les amis, comme vous avez pu l'entendre, Roblox n'aime pas tout ce qui est n'aime pas trop les trucs train. Donc du coup voilà, donc on va tout casser, hop là. Voilà, let's go, tac, on va enlever du coup tout ça. Hop, voilà. Oula, oh, bah, Roblox t'arrive quoi là? Tac, il t'arrive quoi là? Non mais en fait c'est parce que j'étais mort. Ah ok, t'es mort. Ah t'es mort dans Roblox là, c'est ça? Oui. Attends, refais le bruit quand tu meurs dans Roblox. Ok, what's up? Oula, oui, c'est quoi ça? Meurs, évite de pas mourir s'il te plaît dans Roblox mec, j'ai pas envie que tu fasses ça, j'ai pas envie que tu fasses dodo moi. Ok. Voilà, merci beaucoup. Bon, du coup, les amis, c'est parti, on va directement finir la base de Roblox. Donc, du coup, tac, voilà, let's go. On va finir un petit peu la base, voilà, donc on va faire un truc comme ça. Voilà. Oui, je veux. Roblox, Roblox, arrête. Mec, t'es sérieux frère? T'es sérieux Roblox là? Y'a quoi? Non mais... Ok. Bon, tu faisais quoi là? Non mais tu faisais quoi gros? Je faisais rien, pourquoi? Ok. Bon, je vais décorer ta base. Attends. Bon, du coup les gars, j'ai fini de décorer la base à Roblox. Parce que là, je comprends plus ce qui se passe. Allez, c'est parti, tac. Ah, viens la base à Roblox. Regarde. Non mais là, t'es mal placé, mec. Attends, regarde, là c'est bon. Non, là t'es encore mal placé. Là? Wow, ouch. Wow, hardcore. Wesh.
Bon, allez, moi je vais en faire, moi je ferme. Ok, bon, les amis, je pense qu'on est bon pour ce qui est de la base du Roblox. Mais les gars, mais Roblox il est vraiment matrixé dans sa tête, hein. C'est un vrai nouage lui, hein. Ah ouais, les gars, Roblox il est matrixé. Donc du coup, voilà, je pense que vous avez compris. Pour ce qui est de la base de Roblox, on est bon. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va partir dans la base à Damet Costa. Parce que les amis, ça fait super longtemps qu'on n'est pas allé le voir. Et en plus, vous savez, Damet Costa il est toujours encore foufou comme il l'était jusque depuis tout le temps, en fait, quoi. Donc c'est parti, voilà, Damet Costa. Et je vous compte toujours pour que vous restiez tous jusqu'à la fin de la vidéo avec Ladybug, parce que vous allez voir que c'est vraiment super épique. Donc on se retrouve directement avec Damet Costa. Ok, donc du coup les amis, on est maintenant parti pour l'escalier à Damet Costa. Donc Damet Costa, ça fait super longtemps que je suis pas allé le voir et franchement c'est vrai qu'il commence à me manquer, le petit Damet Costa, parce qu'il est vraiment super cool. Moi en tout cas je l'adore. Donc c'est parti, tac, on va dans la base à Damet Costa. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va nous attendre, mais franchement je pense que ça va être vraiment super cool avec lui. Donc let's go, tac, Damet Costa, est-ce qu'il est là-dedans? What, il est cochon. Wow. Wesh, salut Damet Costa, coucou. Eh oh, ça va? Oula, mais tu faisais quoi avec le cochon, Damet Costa? Damet Costa. Wesh, wesh, non mais là tu donnes pas ta cosita. Non mais là tu donnes pas ta cosita, gros. Là tu es en train de faire un truc bizarre avec le cochon, frère. Wesh, hardcore. Ok, bon, salut Damet Costa, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, moi ça va super. Tu fais quoi de beau ici là? Bah j'étais en train de Damet Costa. Ah, ah, mais tu Damet Costa avec qui? Tu faisais Damet Costa avec qui? Avec le cochon. Mais le cochon il était d'accord ou il comprenait pas? Bah non, j'étais en train de le... Le quoi? Bah j'étais en train de le violer. Waouh! Wesh, t'es sérieux ou quoi, gros? Mec, on est en vidéo, frère, t'es sérieux? Bah ouais. Wesh, mec, mais t'es un malade. Bon, ok, Damet Costa. Bon, en quoi est-ce que je vais pouvoir t'aider aujourd'hui, Damet Costa, grand fou, va? Bah en fait, là, je voudrais apprendre à nager, mec. Ah, tu vas apprendre à nager? Attends, mais tu crois vraiment que moi, je sais comment faire pour que tu apprennes à nager? Bah ouais, toi je pense que si tu sautes dans l'eau, il y aura... Il y aura quoi si je saute dans l'eau? Il y aura un tsunami? Non, non, pas du tout. Si, oui, vas-y, viens, saute dans l'eau, viens. Vas-y, regarde, saute, il y aura un tsunami là. Oh, mais non, il n'y a pas de tsunami, qu'est-ce que tu me racontes? Ça se passe tout bien. Allez, vas-y, viens dans l'eau avec moi. Oui, j'arrive. Bon, du coup, tu vas apprendre à nager, c'est ça? Tu sais pas trop nager encore, non? Non, pas trop. Vas-y. Bon, les gars, est-ce qu'on le libère Damet Costa? Est-ce qu'on lui sauve la vie? Allez, on lui sauve la vie, c'est parti. Tac, allez, vas-y, remonte. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Bah alors, Damet Costa, t'as failli te noyer ou quoi? Oula, tu t'es noyé! Oh, mais désolé, Damet Costa, c'était pas le but, je voulais pas te noyer, frère. T'es mon pote. Ah, j'ai failli mourir. T'as failli mourir, mais non, mais t'es pas mort, donc ça va. Bon. Du coup, je vais t'apprendre à nager dans cette vidéo. Donc déjà, super important, quand tu ne sais pas encore nager, quand tu débutes, tu sais qu'est-ce qu'il faut absolument te mettre sur la tête? Il faut te mettre ça sur la tête. Absolument, c'est super important. Dès que tu vas dans l'eau et que tu sais pas encore nager, il faut que tu mettes ça... Attends, on va pas récupérer, je vais le récupérer. Ok. Tac, voilà. Mets ça sur ta tête. Voilà, mets bien sur ta tête. Et maintenant, tu vas pouvoir respirer sous l'eau grâce à ça. Vas-y, nage. Vas-y. Ah bah tu vois alors, c'est cool non? Ah j'arrive, oh c'est trop bien. Bah oui, t'arrives à respirer sous l'eau et tout, vas-y bah nage plus vite. Et accroche bien ton casque hein, sinon il pourrait tomber. T'inquiète, c'est bon. Ok les amis, bon apparemment Damet Costa il a bien accroché son casque, donc on est bon. Voilà, on va attendre les amis que Damet Costa revienne un petit peu vers la surface dès qu'il s'est bien amusé. Allez, remonte. Oula, bah non, Damet Costa il s'éclate hein. Oh c'est trop bien. Alors c'est bien hein, t'as vu? C'est super génial. Et bah du coup, vu que t'as l'air d'adorer mon nouveau casque que je t'ai offert à Damet Costa, bah tu sais quoi, ce que je te propose c'est que je te l'offre. Par contre, dès que tu sors de l'eau, faut que tu l'enlèves pour garder la batterie. Ok. Maintenant tu peux... Non, t'es pas sérieux mec? Non. Mais s'il te plaît, me tue pas frère, moi je suis gentil, je suis ton pote. Dégage. Ou sinon je te ramène sur la planète Mars. Mais ouais, moi j'aime bien la planète Mars. Ok, bah alors vas-y, viens. Non, j'aime pas. Ok, bon les amis, Damet Costa il veut m'agresser, je crois qu'il veut que j'aille dans la planète Mars avec lui. Sauf que moi j'en ai vraiment pas du tout envie. Attendez, il me dit pas qu'il me suit quand même là. Attendez, on va voir. Wow. Viens, okay. Viens. Non, j'aime pas. Non, viens. Oh, ouish. Ok, ouais les gars, Damet Costa il a failli me tuer les gars. Il était à deux doigts de me tuer. Bon, bref, donc du coup les amis, c'est parti. Voilà, on a réussi à s'évader de la prison à Damet Costa. Enfin plutôt de la prison, de la base de l'escalier à Damet Costa. Et on se retrouve maintenant pour la toute dernière base de la nuit, la base de Ladybug qui devait être notre dernière base. Donc c'est parti, on va descendre en bas. On va voir du coup si c'est bien écrit Ladybug ici. Et comme vous avez pu le voir, je crois qu'il fait d'un coup totalement jour. Donc c'est parti, on va directement dans la troisième base les amis, la base à Ladybug. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qui va nous attendre dans cette base. Franchement je pense que ça va être plutôt cool. Surtout que Ladybug ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai pas vu, parce que en ce moment elle est quand même pas mal occupé. Donc c'est parti, on va aller voir. Wow. Ok, on va pas aller la voir. Ladybug, coucou. Me regarde pas. Salut, ça va? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive?
Bah attends, juste ne t'approche pas déjà. Ah oui, c'est vrai. Bah j'ai cru voir que t'étais pas trop habillé. Bah tu veux pas plutôt prendre des vêtements, hein? Mais oui, j'en ai besoin et j'en ai plus. Ok, bah tu sais quoi, bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer un truc. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchanter les amis des vêtements pour Ladybug. Parce que comme vous avez pu le voir actuellement, elle est pas forcément beaucoup habillée. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais prendre du colorant rouge, je vais prendre de l'eau et un chaudron. Et on va mettre tout simplement tout ça dans... attendez, donc ça, voilà, hop là, vous êtes prêts, ça va faire un truc comme ceci. Voilà, nickel. Bon, du coup voilà, tiens, prends ça, porte ça. Donc ça... Bah, mets ce que je viens de t'enfuir là, vas-y. Oh, merci. Tu vois, normalement ça fait un joli pantalon roi. Waouh, bah dis donc, oui. Il est super joli ton pantalon. Ouais, trop bien. Bon, Ladybug, vu que je suis là, tant qu'à en profiter, vu que je suis là, est-ce que ça te dirait que je te fasse une petite construction? Est-ce que tu voudrais que je te construise un truc? Oui, je voudrais un jacuzzi. Tu voudrais que je te fasse un jacuzzi? Oui. Ok, bah tu sais quoi, bah je vais en occuper dès maintenant. Alors tu veux un jacuzzi, j'imagine, ici là, non? Ouais, tu le fais un grand là. Un grand jacuzzi. Ah ouais, d'accord. Donc toi, Ladybug, t'es vraiment du style à aimer les gros jacuzzi, c'est ça? Oui. Et y a qui dans ton jacuzzi, toi? Il y aura pas... Si tu crois, tu pourras même venir. Moi, je pourrais venir. Mais non, mais moi, oui. J'ai pas trop envie de venir, tu vois. Moi, j'aime pas trop faire ça et des trucs bizarres et tout. Moi, je suis pas trop là-dedans. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je m'appelle pas le Cosmos, moi. Ah, ok. Mais tu as invité qui d'autre, du coup? Je vais inviter Chat Noir. Chat Noir et qui d'autre? Je vais aussi inviter Diablobit. Wouah les gars, tu vas vraiment inviter Diablobit? Oui. What? Ok. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec Diablobit? Bah je sais pas, je vais le... What? Ok, vos amis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires pour tous ceux qui ont compris qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que Ladybug est en train de dire, mais franchement, je crois que c'est bien what the fuck. Bref, donc du coup, les amis, c'est parti, tac, on va directement finir de mettre de l'eau un peu de partout là-dedans. Du coup, voilà, c'est parti, let's go. Hop là, ok, bon, les amis, là, je crois qu'on est bon. Il est bouillant. Il est bouillant, bah oui, c'est bouillant, t'as vu? C'est chaud comme la braise là. Hein. Ouais, attends, viens ici, j'ai une surprise pour toi. T'as une surprise pour moi? Ok, j'arrive, ouais. C'est quoi la surprise? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, là, ici. Ouais, là. Attends, ouais. Attends, passe-moi ton plastron. Ouais, voilà, tiens. Attends. Waouh, j'étais sérieux ou quoi? Mais Ladybug, mais tu vas pas bien. Bah regarde, c'est bon, je te fais ton jacuzzi, allez, va dedans et laisse-moi tranquille un peu. Ouais, trop bien. Et t'as vu ça? Non, de quoi? Bah derrière toi, là. Non, je vois pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, y'a quoi à l'arrière? Ou même ici, là, sur ce mur. Ah, non, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait sur le mur. Bon, bah du coup, bah c'est pas grave, je pourrais le revoir un autre jour, peut-être. Oui. Ok, bon, et bah dans ce cas-là, merci beaucoup Ladybug, et bah je crois qu'on est bon pour ce qui est de la vidéo. Dis-moi, est-ce que t'as besoin d'un autre truc encore pour cette vidéo ou pas? Oui, attends, viens ici. Ouais, je viens, ouais, je suis là. What? Ok, Ladybug est en train de me faire des bisous, what the fuck. Ok, bon, et bah merci beaucoup Ladybug pour tous ces bisous, ça me fait vraiment super plaisir, ça me fait chaud au cœur même. Bon, du coup, moi j'y vais, hein. Ici. Oula, tu veux faire quoi? What? Ah les gars, mais Ladybug elle est trop folle en fait. Ok, allez, moi je ferme. Allez, tac, c'est parti les amis. Nous on va l'enfermer. What, les gars, continuez à me suivre. Non. Ok, bon les amis, c'est bon, j'ai réussi à l'enfermer. Nickel. Bon, et bah du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche de notification, comme ça dès que je sors une vidéo, vous êtes les premiers à regarder, vous pouvez mettre les premiers à regarder ma vidéo. N'hésitez surtout pas aussi à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me proposer des commentaires, des nouvelles idées, ne choisissez pas. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.